Ouais, bosser bien, les gars, c'est facile. Ouais, comment qu'il y en a qui font de la compo, il y en a qui... Alors, première séance topo de la grotte des Capucins avec la petite mise en jambe randonnée pédestre. Un pont trop loin. Donc voilà, ça faut monter tout ça là et on va aller là-haut. Ça y est, on voit la falaise. Dites là-bas, l'antenne c'est Saint-Antonin Nobleval en dessous. Ouais. Et juste en dessous de l'antenne, c'est la Via Ferrata. Donc on est d'accord que tu nous as fait monter jusque là juste pour le panorama. Voilà, c'est ça pour le panorama, parce que ça aurait été dommage de passer à côté. C'est vrai. Et là, Jean-Pierre se transforme en bouquetin. Il fasse un ventral et un dorsal, ouais, comme ça, sinon je pense que c'est carrément. C'est bizarre les randonnées de JP, ça ressemble étrangement à de la spéléo. Tu vois la sortie, hein? Ah ouais, ça sent la sortie ça. Et nous apercevons Néandertal et Cro-Magnon, main dans la main, sortir leur kit vers le jour naturel. Ah, c'est beau la collaboration entre humains. Ah, c'est que la marche est haute. Il y a des grottes dans le Tarn-et-Garonne. Tu fais un crowbar, tu mets tes références. Il monte sur le pony. Voilà, on prend le pony. Au deuxième télémètre. Donc le rayonnement, c'est avec le... Pourquoi t'as chié dans la galerie? Fais ta main sur l'avant. Il manque juste l'échelle. Alors, on va faire le profil de la coupe. C'est point 9. Là, c'est pour le point 10. On va arriver au point 11. Ça, c'est pour ça. Station, là. Moi j'essaie de retrouver JP. Et on entend l'actif. Et là par contre je prendrais surtout de la photo parce que là sinon. Là, c'est chouette. 13. Bon, avance un peu. Hein. Ouais, si tu peux taper un peu dessus, je fais une photo. Mais bien dans l'eau. J'ai pas pris de tenue de rechange. Bon, moi j'ai les genoux encore, hein. T'as la corde pour la main courante? T'as le projo, JP? Alors, je sais pas si avec la flotte on les entend, mais elles sont toutes là-bas, les bestioles à Covid. Ah putain, regarde, le plafond, il grouille. Ah là, je pense qu'on les voit un peu mieux. Et ça, c'est le tas de merde qui va rejoindre Jean-Pierre. Je sais pas si on se rend compte que chaque petit point qui bouge, c'est une bestiole. Et il y a les petits en plus là-bas, juste en face. Ah, ça passait pas en dessous. Ah, c'est joli, mais le truc, c'est que... Donc le siphon, pour le mois de septembre. Ah, c'est la Batcave. Et là, on voit rien. C'est... En fait, c'est pas Batman et Robin, là, c'est plutôt Bernard et... Il est où Batman? Mais il est en rouge devant moi. Ah non, on dirait plutôt la gueule de Robin. Oui, avec l'âge, il est un peu forcé, Robin. C'est plutôt Robert, ouais. En fait, c'est pas Batman et Robin, là, c'est plutôt Bernard et... Bernard et Robert. T'as trouvé la sortie? Je peux dire ça? Ouais, ça s'entend un peu. Alors, un petit mot pour nos abonnés? Eh bien, bon courage, parce que ça va pas être facile à visionner cette vidéo. Ouais. Ouais, elle est bizarre cette marge d'approche quand même. Ah, j'ai perdu le signal du GPS. Alors pour la topo, il y en a beaucoup qui bossent.
en a. Il y en a qui bossent, mais là je vois pas les chiffres en fait. Oh. Pas possible, la topo. Il y en a qui font le squelette. Bon, ben en attendant, je me détends. Le cycle bulle, c'est un quart d'heure.